Quand tu marches avec Dieu, tu n'as plus peur des paroles des gens, tu n'as plus peur des textos des gens, tu n'as plus peur des statuts des gens. Ton statut, ça ne me regarde pas. Ta vie ne me regarde pas. Quelles que soient les paroles que tu vas dire, aussi longtemps que tu ne me l'as pas dit en face, ça ne me regarde pas. Que tu les postes, que tu les textes à quelqu'un d'autre, aussi longtemps que ça n'entre pas dans mon numéro, ça ne me regarde pas. Dis à ton voisin, ça ne me regarde pas. Moi, je sais que je marche avec Dieu. Quand j'arrive au 3819e avenue, je marche avec Dieu. Quand j'arrive à Calgary, je marche avec Dieu. Vous savez quoi? Les gens qui marchent avec Dieu, même s'ils décidaient de quitter une ville, aller dans une autre ville, ils vont toujours réussir leur vie parce que c'est eux qui sont les porteurs de grâce. Dis après moi, je suis porteur de grâce de Dieu. Je suis porteur de bénédiction de Dieu. Si Dieu ne va pas marcher avec moi, je préfère être célibataire toute ma vie. Je préfère être homme seul toute ma vie. Tu sais quoi? Le meilleur collaborateur de ta vie, c'est Dieu. Le meilleur collaborateur de ta carrière, c'est Dieu. J'aime quand Dieu lui-même est en charge. J'aime quand Dieu lui-même est le capitaine de l'équipe. J'aime quand Dieu lui-même est le coach de mon équipe. J'aime quand Dieu lui-même combat contre mes ennemis. J'aime quand Dieu dit, je marche avec toi. Si Dieu ne marche pas avec moi, je ne préfère pas sortir cet album-là. Si Dieu ne marche pas avec moi, je préfère ne pas être un parent, parce que les enfants sans Dieu, ça sera des enfants pour la rue. Même quand ton enfant sort pour marcher à 20 cm de neige, l'enfant est accompagné par Dieu. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas échouer au Canada. Rassure-toi que Dieu marche avec toi. Tu peux avoir la belle voiture du monde, sans carburant, tu n'iras pas loin. Tu peux avoir une bonne vie en santé, avec les diplômes, avec tout ce que tu as. Mais quand il n'y a pas Dieu, tu n'iras pas loin. Je préfère ne pas voyager. Je préfère annuler un concert. Je préfère annuler une mission ou une conférence internationale. Mais être avec Dieu. La même maison que toi, tu dis que j'ai une maison, ça peut se transformer à une fournaise de feu. Une grande maison sans grand Dieu, c'est une petite maison. La Bible dit au verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.